Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette matinale du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques exercices qui, moi, me font énormément de bien le matin ou avant un cours. Alors ne vous étonnez pas, ça va étirer des muscles d'une manière un peu particulière. Il se pourrait que vous commenciez à bâiller parce que ça libère des tensions, il n'y a aucun souci avec ça. C'est ce que font nos amis les chats et les chiens lorsqu'ils sortent de leur panier. Donc le premier, on va s'étirer comme si on sortait du lit. On inspire. Et le but est de serrer les muscles à l'arrière, d'étirer l'avant. Et on revient tout doucement. Et on fait de l'autre côté. On inspire. On pense vraiment à étirer devant, à serrer derrière. Et on relâche. Tout doucement. On le fait une fois encore de chaque côté. On inspire. Et on souffle, on relâche. Et on inspire. Et on souffle, on relâche. Allez, une dernière fois de chaque côté. On inspire, on ouvre. On peut étirer un peu plus. Et on relâche. Et un dernier, on inspire. Maintenant, on va faire l'inverse. On va serrer les poings devant et ensemble. Et on va étirer l'arrière du dos en soufflant. On souffle, on étire le haut du dos. Et on revient tout doucement. Et on souffle. On serre les poings ensemble, on serre les poings l'un contre l'autre. Et on relâche tout doucement et on pense à étirer le haut du dos. On souffle. Et on revient. Et un dernier, on souffle. Et on revient. Ah, ça fait du bien. Alors maintenant, on va le faire de côté, de chaque côté. Donc imaginez, vous allez chercher un pot de confiture ou de chocolat ou de bonbons ou de biscuits au-dessus de l'armoire. Et on s'étire, on pense à étirer toute cette partie-là. Mais pour ça, on contracte les muscles, on va le chercher, on va le chercher. Attention de ne pas quitter les deux fesses de la chaise, de ne pas tomber. On s'étire et on revient tout doucement. Et on fait la même chose que tu vas chercher l'autre pot de confiture, le pot de miel. On s'étire, on étire tout ce côté et on revient tout doucement. Une deuxième fois, hop. Allez, on va en rechercher parce qu'on est un peu gourmand. C'est le matin. On va aller chercher le pot de choco parce qu'il n'y en a plus. Et on revient tout doucement. Et on s'étire de l'autre côté. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on revient tout doucement. Allez, une dernière fois. Ouf. Allez, hop, on s'étire. Allez, encore, encore, encore. Ce n'est pas simplement le fait de lever le bras. C'est d'essayer de toucher réellement le plafond. On sait qu'on n'y arrive pas. Mais on étire, et on relâche tout doucement. Et un dernier, hop, de l'autre côté. On étire, allez, on se grandit, hop. On n'a jamais été aussi grand, on gagne un demi-millimètre par vertèbre, et on revient tout doucement. Hop. On l'a fait en avant, on l'a fait sur le côté, on va le faire en rotation. Donc ici, on va avoir le pied droit un petit peu en avant, le pied gauche un peu en arrière. C'est juste pour savoir quel pied est devant et quel pied est derrière. Et donc, on va tourner du côté de la jambe avant. On tourne, ne forcez pas. On sait toujours le matin, donc on y va doucement. Et hop, on imagine qu'on va repousser le mur en soufflant. Et donc, on s'étire en rotation. Et on revient tout doucement. Et on souffle. Et on revient tout doucement. Une dernière fois, on tourne, on souffle, on étire le haut du dos, le milieu du dos. Et on revient tout doucement. Et on change de côté. C'est le pied gauche pour moi, avant, et le pied droit en arrière. Je tourne, je pousse le mur. Et je reviens tout doucement. Je pousse. Et je reviens.
et je reviens tout doucement. Ok. On va en faire un dernier. Ici, on imagine d'un côté, on pousse le plafond et on tourne la main, le pouce, vers l'extérieur. Hop, vers l'arrière. Même chose vers le bas. On presse en bas comme si on voulait pousser le sol et on tourne le pouce vers l'arrière et on inspire et on regarde sa main d'en haut. Comme si on tirait sur un arc. Et on souffle, on revient, on s'en... Et on le fait de l'autre côté. On pousse une main au plafond, on pousse l'autre au sol. Et on souffle, on revient. Évidemment, vous travaillez selon vos épaules. On va le faire une dernière fois de chaque côté. On inspire. Et on souffle, on revient. Et de l'autre côté, on inspire. Et on souffle, on revient. Voilà, alors j'espère que cette petite séance vous a délié, vous a mis en train pour la journée. N'hésitez pas à la refaire avant la pause déjeuner et éventuellement avant d'aller dormir. Ça peut permettre de détendre les tensions accumulées n'importe quand durant la journée et ça vous met en meilleure forme, soit pour la journée, soit même pour dormir. À très bientôt!